Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo un petit peu différente. Je voulais regarder par rapport à la notion de temps. Quand cela se passera-t-il? Quand est-ce que cela se va réaliser? La notion de quand. Si vous avez une question, donc c'est un taroscope ou un tirage de divination où on se pose la question et on va avoir des réponses. Quand cet objet sera en ma possession, quand c'est que je vais pouvoir me marier, quand c'est que j'aurai un enfant, etc. Toutes les questions que vous avez avec notion de timing en vous, posez-vous là, tout simplement. Peut-être vous êtes impatient, hein, quand c'est que je vais pouvoir retrouver un nouveau travail. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Je pensais que j'ai trouvé une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Donc, ici, j'ai les signes astrologiques. Je vais les prendre les uns après les autres, tout simplement. Ici, j'ai les datations. Donc, je vous les dirai. On va rajouter à ça un message de conseil par rapport à cette question que vous avez. Et puis, je vous mettrai à minuterie un message du tarot. Quand même, voir ce qu'il a à nous dire, si un domaine particulier ou un conseil pour vous. Voilà, je sais pas si vous avez bien compris, simplement, c'est quand est-ce que cela va se passer pour moi. D'accord? Donc, bienvenue sur les guidances de Chandra. J'espère que cette petite vidéo va vous aider, vous parler pour certaines questions que vous avez et être juste. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien, merci à tous. On me bloque les vues, comme toujours, je le répète, donc ça ne changera pas. On me bloque, ça monte à 300 et après ça monte plus, par exemple. Et voilà, manipulation. Abonnez-vous, les nouveaux, merci beaucoup d'être là, de vous abonner pour le soutien à la chaîne, pour qu'elle puisse continuer si vous regardez les vues que j'ai eues précédemment et ce que j'ai aujourd'hui. Donc, il y a un gros problème. et puis, les anciens, vérifiez que vous êtes abonné. C'est aussi important parce qu'il y en a qui se voient désabonner sans qu'il l'ait fait. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, bien sûr, vous m'écrivez un message sur le mail qui se trouve sous la vidéo et je vous ferai votre tirage entre 1 et 3 jours. N'hésitez pas. Et ça m'aide beaucoup aussi comme ça. Alors, on y va. On va commencer par les Gémeaux. Donc, sur le tas ici des signes, j'ai le Gémeaux. Ça va vous concerner, vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Et je vous mettrai la minuterie. Alors, pour les Gémeaux, on va voir. Donc, par rapport à la question, quand est-ce que cela se produira-t-il pour les Gémeaux? Quand la situation se produira pour les Gémeaux? Réponse à la question de quand cela se produira-t-il pour les Gémeaux? Ici, je vais prendre une carte. Au hasard, si j'ai pas de carte qui tombe. Alors, on a le 8. Pour vous, les Gémeaux, nous avons soit 8 jours, ça fait une semaine, soit 8 semaines, ça fait 2 mois. On nous dit que les choses que vous vivez sont en progression. Donc, peut-être quelque chose qui va se faire dans 2 mois. J'ai plus l'impression, c'est comme ça que je ressens pour vous. Je vais les mettre ici, hein, Gémeaux. 8 mois, on va regarder le message. Donc, 8 mois, pardon, 8 semaines. Quelque chose qui se passerait dans 2 mois, si ça vous parle. Ou 8 jours. Gémeaux. Un message pour les Gémeaux. De quand cela se produira-t-il? Quand cela se produira-t-il pour les Gémeaux? Un message supplémentaire. Cela se produira-t-il pour les Gémeaux? Message supplémentaire. Alors, une aide de certaines personnes. Vous allez vous faire aider par rapport à une situation, visiblement, c'est peut-être ça ou pas du tout, hein, la question. En tout cas, peut-être pour certains, autour de cette date, il y aura aussi des gens qui viendront à votre aide. On ne vous laissera pas seul, on ne vous laissera pas tout seul, on ne vous laissera pas dans votre imbroglio, ok? Ou demander de l'aide. Les gens qui seront là autour de vous. Et on va prendre une carte du tarot. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Les Gémeaux.
notion de temps. Quand est-ce que cela se fera pour vous? Quand la situation se fera pour vous? La question que vous vous posez se fera pour vous, les Gémeaux. Quand? Un message supplémentaire. La maison dure. Écroulement. Quelque chose qui risque de se casser la figure. Quand est-ce que ça va se casser la figure? Non. On a des informations supplémentaires. Ça peut être le cas. Hein. Il y a quelque chose qui peut se passer dans 2 mois. Ça peut être un travail qui se casse la figure. Ça peut être... la maison Dieu, c'est ça. C'est l'effondrement, l'écroulement, l'inattendu, quelque chose qui s'arrête. Une relation, un travail, un mode de vie, un comportement. Alors, à voir si ça vous parle. Prenez cette carte du tarot en supplément. Hein. Pour vous, en tout cas, si vous avez quelques questions que ce soit, c'est 8 semaines ou 8 jours. Des gens qui viendront à votre aide, peut-être, ça part, c'est parlant, par rapport ici à quelque chose qui s'écroule. Ça peut être aussi un licenciement, je vous l'ai dit, hein, une perte de travail, on vous dit de partir de chez vous, quelque chose un peu d'inattendu. Ok. Alors, on va regarder pour les taureaux. Quand c'est que... On va regarder tout de suite avec la datation. Hein. Donc, pensez à une situation où vous voulez savoir quand c'est que ça va se faire. Quand c'est que la situation va se réaliser. Les taureaux. Quand c'est que la situation va se réaliser pour les taureaux. Quand ça va se faire. Pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Quand est-ce que ça va se réaliser pour les taureaux? Quand est-ce que ça va se réaliser pour les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau. Quand leur question va se réaliser, on va prendre une coupe. Les taureaux, carte numéro 1. Oh, c'est assez rapide. On nous parle même... je vais presque trop vite. Peut-être pour une rencontre. On dit soit dans un jour ou soit dans une semaine. Bon, le taureau là, c'est rapide aussi. Hein. Soit dans un jour, soit dans une semaine. Donc notez, hein, ça peut tout de suite vraiment résonner à vos oreilles. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire, on va rajouter 2 cartes, si ça peut être possible. Oui, je vais demander au mariage ma copine dans une semaine. C'est ce que je pensais. Ça peut confirmer certaines de vos envies. Hein. Le camp, c'est vraiment une vidéo axée sur le camp. Les taureaux, une info supplémentaire sur quand cela se va, quand cela va se passer pour les taureaux, quand cela va arriver pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Une info supplémentaire sur le camp. Vous allez retrouver l'énergie positive. Vous allez retrouver de la positivité, vous allez retrouver un bien-être en vous-même. Vous allez être bien dans votre peau. Le con ici. Bon, peut-être dans une semaine, après une période difficile ou de dépression ou de mal-être, ben, on retrouve une énergie positive. Mais vraiment, basez-vous sur ces infos en supplément de votre question. Hein. Là, on ne va pas vous donner la réponse, mais c'est tout à fait possible que oui. On va prendre une carte du tarot. Pour les taureaux, le camp, une info supplémentaire, quand cela va se passer pour les taureaux, par rapport à la question de quand cela va se passer pour les taureaux, ascendant taureau, non taureau. Alors, une carte pour vous. L'impératrice. Ah, il y a quelque chose, bah oui, qui va porter ses fruits. Il y a comme une amélioration de situation. On retrouve le positif. L'impératrice, c'est la mère. C'est celle qui... C'est la mère du tarot. Celle qui prend soin des autres, qui prend soin de soi. On voit que vous allez reprendre soin de vous-même. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va prendre vie à ce moment-là. Reprendre vie, ou vous allez reprendre vie vous aussi. Hein, reprendre vie après un moment de déprime ou de renfermement ou un renouveau professionnel, peu importe.
C'est un petit peu ce que l'on nous dit. Qu'est-ce qu'elle fait, ma Kelly? Elle est tout en train de me regarder. Alors, ici, on a les scorpions. Donc, on va regarder pour vous les scorpions. Alors, pour les scorpions, quand est-ce que la situation va se faire pour les scorpions? Quand est-ce que la situation va se faire pour les scorpions? Quand est-ce que ça va répondre à la question que les scorpions se posent? Oui, t'es vers moi, Kelly. Vous avez, vous, alors c'est la carte du 6, 6 jours, 6 semaines, puis on nous dit de profiter du temps, de ne pas vous presser. 6 jours, 6 semaines. 6 semaines, enfin un mois et demi à peu près. Je me baserai plus sur le mois, mais on ne sait jamais. Vous verrez si ça vous parle. On va prendre une carte supplémentaire ici. Des messages angéliques pour les scorpions. Pour les scorpions, quand c'est que ça va se réaliser pour les scorpions? Quand la situation va se réaliser pour les scorpions? Une info supplémentaire de quand la situation va se réaliser pour les scorpions. De quand? On dit qu'il faudra que vous écoutiez votre intuition à ce moment-là. Ça, c'est un peu une aide, hein, ces cartes que je rajoute à ce petit tirage. Parce que je trouve un peu... Oui, je voulais pas faire seulement deux questions. Con, punto com. Con, punto com. Alors... Après ceci, donc on nous dit qu'à ce moment-là, dans 6 semaines, un mois et demi environ, il vous faudra écouter votre intuition. Vous aurez peut-être un choix à faire, une direction à prendre, une situation qui vous demandera de vous diriger. Et on va prendre une carte du tarot, on va voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour les scorpions. Quand est-ce que la situation va se faire? Un message supplémentaire, quand c'est que la situation va se faire pour les scorpions? On va voir tout de suite. On va regarder la suite. Donc pour vous, chers amis scorpions, avec une carte du tarot, comme je vous l'ai dit. Donc, une information supplémentaire. À quand la situation va se réaliser pour vous les scorpions? Information supplémentaire, prenez ça en parenthèse. C'est une aide. Ça peut vous parler comme pas du tout, du tout, du tout. Quand va se réaliser la situation pour les scorpions? La question qu'ils se posent. Message supplémentaire. Nous avons la force. On nous demande d'avoir de la force, du courage, de la persévérance. Ici pour vous dans un mois et demi, il y a une situation qui vous demandera du courage ou de la force, ne pas abandonner, de continuer, de persévérer. Si ça vous parle, tant mieux, hein. D'accord, chers amis scorpions. Je vais laisser comme ça. Ensuite on va regarder les poissons. Poissons, on va voir tout de suite. Tout de suite. Donc combien de temps? Les poissons, dans combien de temps cela se réalisera-t-il pour vous? Posez-vous une question, hein, si vous avez une question de temps, quand c'est que ça va se réaliser? Quand la situation va se réaliser pour les poissons? Quand la situation va se réaliser pour les poissons? Je dois dire que cette vidéo est intemporelle, hein, je vais la mettre en intemporel. Vous pouvez regarder quand vous voulez. C'est un message que l'on vous donne au moment T si on veut. Quand la situation va se réaliser pour les poissons. Alors on a le chiffre 11. 11 jours. Ça fait presque 2 semaines ou 11 semaines. Vous pouvez calculer 11 semaines. Ça fait 4, 8, 12, presque 3 mois. D'accord, les poissons, ici, quelque chose comme ça. On nous dit, écoute tes amis. Il y a un petit message ensuite avec la carte. Écoute tes amis, il y aura peut-être une nécessité de les écouter. On va prendre, comme pour les autres signes,
Vous pouvez regarder un signe ascendant, un signe pour vos amis, pour vos enfants, pour qui vous voulez. Une carte ici. Message. Poisson. Quel message supplémentaire de quand cela va se réaliser pour les poissons. Quand cela va se réaliser pour les poissons. Quand la situation va se réaliser pour les poissons. Quand la situation va se réaliser pour les poissons. Quand la situation va-t-elle se réaliser pour les poissons. Message supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, il ne faut surtout pas t'inquiéter. Tu es peut-être en train d'attendre quelque chose, tu te poses des questions. Tu dis, bon, bah, quand c'est que j'aurai une réponse? Quand c'est que je pourrai avoir une voiture? Quand c'est... Voilà, tout dépend de votre question, mais on nous dit surtout, ne vous inquiétez pas. Vous êtes peut-être dans l'inquiétude, les poissons. Du quand? Et on va voir un message supplémentaire avec le tarot. Pour vous, les poissons, quand est-ce que la situation se fera pour les poissons? Quand la situation pourra se faire pour les poissons? Réponse à la question du quand pour les poissons. Un message supplémentaire. Et on a l'étoile. Donc, vous êtes effectivement protégé. Vous avez déjà le message qui nous dit « ne t'inquiète pas ». Et l'étoile, c'est que vous êtes protégé, il n'y a rien qui va se passer de mal. Si vous avez peur d'une réponse, une réponse administrative, de savoir si vous allez réussir un examen, peu importe, on nous dit « n'aie pas peur, tu as la protection, tu as l'étoile ». Moi, je pense que ça peut aussi vous aider, ces messages supplémentaires par rapport à la notion du « con ». Merci pour vos commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire si ce petit... ce petit tirage vous aide, vous aiderait ou est sympa. J'ai pensé aujourd'hui, je me suis dit, ce serait bien savoir, par exemple, si j'ai une question de quand, d'avoir un tirage par rapport à ça. On a les lions. Alors, on va regarder les lions. Lion, quand c'est que ça va se réaliser pour vous, lion? Quand est-ce que ça va se réaliser pour vous? Par rapport à votre question, est-ce que ça va se réaliser pour les lions? Je vais mettre dans ce sens-là. 12 jours, 12 semaines. Ça, oui, 3 mois aussi. 3 mois ou une semaine et demie. 12 jours, 12 semaines, 4, 8, 12, 3 mois. Vous verrez comment ça vous parle dans 3 mois. Il y a une réponse à votre question personnelle. On va rajouter une carte supplémentaire des anges. Pour les lions, quand est-ce que ça va se réaliser pour les lions? Quand est-ce que ça va se réaliser? Pensez que vous allez avoir la réponse. Dans combien de temps pour vous les lions? Message supplémentaire pour les lions. Donc, combien de temps va se réaliser la question? On nous dit lâche prise. Donc, soyez pas trop focus sur le notion de temps ou de contrôle. Il faudra laisser faire. Peut-être qu'il y aura... ça prendra plus de temps ou moins de temps que prévu. Ok? Et on va voir une carte du tarot pour vous. Donc, pour les lions... Carte supplémentaire de quand cela va se réaliser pour vous. Pour les lions, quand est-ce que la question des lions se réalisera-t-elle? Quand se réalisera la situation pour les taureaux? Message supplémentaire du tarot. Quand se réalisera... pardon, pour les lions... on en est où? Oui, pour les lions. Quand se réalisera la situation pour les lions? Message supplémentaire. On a le hiérophante, on nous dit d'avoir la foi, on nous dit de garder l'espoir. Il y a une officialisation par rapport à quelque chose. Mais il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il ne faudra pas vouloir tout contrôler. Les choses peuvent se produire effectivement dans 3 mois, on se réalise dans 3 mois pour les lions. Mais ça pourrait être un petit peu
prolonger ou avancer sur ce que vous désiriez avoir, mais il faut lâcher prise et surtout avoir foi que ça va se faire, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est lâcher le contrôle. Ensuite, on a les béliers. Bélier, bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les béliers, oui, notion de temps. Je vous mettrai bien sûr la minuterie. Alors, ça, c'est des signes. Bélier. Bélier, dans combien de temps va se réaliser la question que se posent les béliers? Combien de temps va se réaliser la question que se posent les béliers? Combien de temps va se réaliser la question? Allez. Voilà. Au dos. Combien de temps va se réaliser la question que se posent les béliers? Quand va se réaliser ce que demandent les béliers? Alors, nous avons le 5, 5 jours, donc peu de temps, ou 5 semaines, à peu près 2 mois. À vos devoirs. Ça peut déjà vous parler, comme je l'ai dit, à tous les signes, hein, tout de suite, ou pas du tout. À voir. On va rajouter justement deux cartes supplémentaires ici, des messages angéliques pour vous, les béliers. Donc, dans 5 semaines, 5 jours, il y aura peut-être un démarrage ou un début de réponse. Quand la situation va se réaliser pour les béliers. Quand la situation va se réaliser pour les béliers. Un message supplémentaire. Quand la situation va se réaliser pour les béliers. Quand vont-ils avoir une réponse? Un message supplémentaire. Bon, on dit qu'il y a une situation ici avec le message supplémentaire que ça ne va pas se faire. On nous dit non, ça ne va pas se faire. Ok, c'est possible aussi, hein. Je serais très curieuse de savoir comment ça résonne. Ce sera un tirage intemporel, hein. Donc, si vous voyez ce tirage dans 6 mois, vous vous posez la question, quand est-ce que la situation va arriver? Parce que vous avez une question, vous voulez savoir quand ça va arriver. Eh bien, vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Là, on nous dit non. Au final, la situation que vous voulez qu'elle se fasse, ça ne se fera pas. Quand on sait que je vais demander en mariage mon amie, eh ben peut-être elle sera loin d'ici 2 mois. Quand est-ce que je pourrais acheter cette voiture? Ben, vous n'aurez pas les finances. On va voir une carte supplémentaire du tarot. Donc pour les béliers, quand va se réaliser la situation pour les béliers? Quand va se réaliser la situation pour les béliers? On va se réaliser la situation pour les béliers. Quand on va se réaliser la situation, la question que se pose les béliers, un message supplémentaire. Le pendu. Il y a bien quelque chose qui. Ça parle, hein. Il y a bien quelque chose qui ne va pas se faire, qui est bloqué. Donc, ce ne sera pas à ce moment-là. Ce sera certainement plus tard, plus tôt ou pas du tout. En 5 jours, non. Dans 5 semaines, non. C'est pendu, c'est bloqué pour vous, les béliers. Donc, j'ai l'impression que par rapport à votre question, il n'y aura même pas de réponse. Il y aura un non, désolé, ça ne va pas se faire. Parfois, ce n'est pas plus mal, hein. Mais au moins, vous êtes prévenus. Si vraiment ça vous passe, ce serait super d'avoir une réponse. Ce serait super. Alors, on va regarder pour quel signe. C'est pourquoi je choisis, je prenais le début de balance. Je prenais celle qui était sur le dessus du tas. Alors, on va regarder au niveau timing. Pour les balances, ascendant balance, lunaire balance, posez-vous votre question. Alors, quand c'est que cela va se réaliser pour les balances? Quand c'est que ça va se réaliser? Par rapport à la question que se posent les balances, quand c'est que cela va se réaliser pour les balances? En combien de temps? Alors, vous avez le 2, 2 jours, 2 semaines. Assez rapide. Ok, on va voir. Complément d'information pour vous. Balance. 2 jours, oui. 2 jours, 9 minutes de semaine, 2 semaines. À vous de voir.
N'hésitez pas à commenter. Alors, information supplémentaire pour les balances. Quand est-ce que ça va se réaliser pour les balances? Quand est-ce que ça va se réaliser par rapport à leurs questions? La question que les balances se posent, quand c'est que ça va se réaliser, une information supplémentaire. Quand c'est que ça va se réaliser pour les balances. Oh, il y aura du succès là. Il y a quelque chose qui va marcher, une réussite. Alors, soit dans 2 jours, dans 2 semaines, vous avez peut-être une réponse positive à un examen. Vous allez avoir... ici, succès me parle pas mal de réussite à quelque chose. Un examen. Formation, permis de conduire. Il y a une réussite, c'est bien là. Ça peut vous parler comme ça, rien à voir avec la question. Hein. C'est un supplément. On va regarder avec le tarot pour les balances. Je n'oublie pas le signe. Alors, pour les balances, dans combien de temps la situation va se réaliser pour les balances? Dans combien de temps la situation va se réaliser pour les balances? Combien de temps va se réaliser la situation pour les balances? Une information supplémentaire. On a le jugement, ben on a la réussite, ouais. Il y a bien ça. Vous voyez comme ça parle? Vous avez une réussite. Vous sortez du tunnel, vous sortez de l'ombre. Vous avez gain de cause sur une situation. Vous avez le succès. Donc ça peut être un jugement, ça peut être un problème de justice, les balances. Ça peut être un examen. Ou ça peut être justement une situation face à face, un conflit. Vous gagnez. Là, vous avez une réponse, les balances très claires, vous avez gain de cause. Ensuite, on va prendre les vierges. J'aurais voulu mettre 6 et 6. On va voir si j'arrive tout mettre sur la table. Alors, attendez, on va essayer de faire un peu comme ça. Les vierges. Je vais vous mettre ici. Ça, je peux vous mettre tous sur la table. Les vierges. Alors, on va regarder dans combien de temps vous posez une question, la situation va se réaliser. Il y a 2 cartes supplémentaires à votre réponse qui sera donnée. Donc, justement, si vous posez une question, quand c'est que ça va se réaliser, on va voir. Vierge, quand c'est que la question, quand c'est que la situation va se réaliser pour les vierges. La question que les vierges se posent, quand c'est que ça va se faire. 10. On nous dit tu devras recommencer quelque chose. Bon, on va voir si tu vois si ça va marcher ou pas. On verra les cartes supplémentaires. 10 jours ou 10 semaines. Donc 10 jours, une semaine et demie, 10 semaines. Ça fait 4, 8, 12, presque 3 mois, 2 mois et demi. Qu'est-ce qui se passe dans les 2 mois et demi ou dans 10 jours? Tu vas recommencer quelque chose, mais je sens plutôt positif, tu vois. You will start all over again. Tu vas recommencer quelque chose. Ou tu vas commencer quelque chose. Il y a un renouveau. Un renouveau qui s'annonce pour vous. Je vais voir ici une carte supplémentaire justement pour vous. Les vierges. Vierges. Quand est-ce que la situation va se faire pour les vierges? Quand est-ce que la situation va se faire pour les vierges? Quand la situation va se faire par rapport à la question que se posent les vierges? Un message supplémentaire à quand va se faire la situation que les vierges se posent. Information supplémentaire. Il faut que tu reprennes vie. Il y a une renaissance effective. Parce que quand je vois où you will start all over again, ça veut dire que tu vas reprendre, tu vas recommencer à zéro, tu vas reprendre à zéro en fait. Parce que là on nous dit tu reprends vie quelque part, tu te guéris de quelque chose. Vous me direz si ça vous parle. Il y a une guérison qui se fait ou une situation qui s'arrange dans les 10 semaines. On va voir le tarot ce qu'il nous dit. Les vierges. Quand c'est que cela va se réaliser pour les vierges par rapport à leurs questions? Quand c'est que ça va se réaliser pour les vierges par rapport à leurs questions? Quand cela va-t-il se réaliser pour les vierges par rapport à leurs questions?
Un message supplémentaire pour les vierges. Quand c'est que ça va se réaliser? Justice. Vous tranchez. Réponse en justice qui vous permettra d'être bien, de retrouver votre forme. Ou on tranche avec ce qui n'est pas bon pour vous, qui vous permettra d'être à nouveau en forme, de reprendre forme. Ça peut être totalement autre chose. Essaye d'adapter. Hein. Dans 10 semaines, you will start all over again. Tu vas retrouver quelque chose, tu vas recommencer quelque chose, retrouver la santé après avoir tranché au niveau d'une situation. Ensuite, on a les Capricornes. Alors, on va voir. Posez-vous la question hein, que vous voulez. Alors, quand c'est que les Capricornes, quand c'est que la situation va se faire par rapport à la question que se... quand est-ce que ça va se faire par rapport à la question que se posent des Capricornes? Quand c'est que ça va se faire? La question que se posent des Capricornes. Prendre celle-ci. Dans 4 jours ou 4 semaines. J'ai plus l'impression dans 4 semaines. Bon, 4 jours, c'est court. Ça fait dans 2 mois. Dans 2 mois, quelque chose pour les Capricornes qui va se réaliser. Dans 2 mois, ok. On va voir un complément d'information ici. Alors, pour les Capricornes, l'information des anges, c'est des petits atouts pour avoir plus d'infos sur cette question, pas seulement avoir le nombre. Donc, quand est-ce que la situation va se réaliser pour les Capricornes? Quand la situation va se réaliser pour les Capricornes? Une information supplémentaire, à quand est-ce que ça va se réaliser par rapport à la question que se posent les Capricornes? Une information supplémentaire pour les Capricornes. On nous dit, il faut que tu prennes du temps pour méditer et ça t'apportera des réponses. Ok, il y a une situation qui va arriver dans 2 mois à peu près pour vous les Capricornes. Et on nous demande pour cela de prendre du temps, de méditer. D'attendre peut-être des réponses qui vous viennent par vos guides, par vos anges. Ok, on va voir ce que nous dit le tarot. Pour les Capricornes, quand est-ce qu'il y aura la réponse à la question que se posent les Capricornes? Quand est-ce que sera la réponse pour les Capricornes? Quand est-ce qu'il y aura une réponse? Quand cela se fera-t-il par rapport à la question que se posent les Capricornes? Un message supplémentaire. Quand cela se fera-t-il pour les Capricornes? Le chariot. Ça veut dire que vous allez pouvoir reprendre, avancer. Si vous êtes dans une période d'attente, dans une période d'arrêt, dans une période de changement de voie, on nous dit ici que vous allez avancer avec une nouvelle direction de vie. Ok, vous avez 2 mois devant vous. Bon, ben, j'ai 2 mois de pause. pour les Capricornes, peut-être deux voies hein, professionnelles, si vous cherchez du travail. Ou pour le financier, comme j'avais vu qu'il y avait des complications, un arrangement, tout, voilà, c'est dans 2 mois à peu près. Ensuite, carte suivante, on a les Sagittaires. Sagittaires, on y va, il n'y a plus beaucoup de cartes au niveau d'une notion de temps, mais c'est le hasard. Dans combien de temps il y aura une réponse à la question que se posent les Sagittaires? Dans combien de temps il y aura une réponse à la question que se posent les Sagittaires? Dans combien de temps y aura-t-il une question? Y aura-t-il une réponse? Combien de temps pour les Sagittaires par rapport à la question qu'ils se posent? Alors, on dit 3 jours, 3 semaines. Donc, dans moins d'un mois. Pour certains d'entre vous, dans moins d'un mois, il y a quelque chose qui se passe. Ou dans 3 jours aussi. Hein. Je sens plus les mois ici pour vous. Sagittaire, dans moins d'un mois, il y a quelque chose qui se passe, un mois à peu près. Il y a une réponse à votre question. On va prendre message des anges pour un complément d'information. Donc, vous pouvez bien sûr regarder vos ascendants ou pour quelqu'un d'autre. Ça peut correspondre, ça peut parler aussi.
bien évidemment. Alors, Sagittaire, dans combien de temps il y aura une réponse à la question que se posent les Sagittaires? Ok. Ah, c'est par rapport à l'amour. Ça parle. Donc, dans 3 semaines ou dans 3 jours, il y a une rencontre. Il y a l'amour qui vous tombe dessus. Je vais parler dans le tirage du mois de mars. Rencontre amoureuse pour les Sagittaires. Un renouveau. Allez les voir, allez voir votre tirage du mois de mars, n'hésitez pas. Et on va prendre une carte du tarot, on va voir ce qu'il nous dit pour vous les Sagittaires. Sagittaire, dans combien de temps vous aurez la réponse à votre question? Dans combien de temps vous aurez réponse à votre question les Sagittaires? Un message supplémentaire, à combien de temps, dans combien de temps se réalisera votre question? Un message supplémentaire pour les Sagittaires. Le magicien, la rencontre, le renouveau, le nouveau départ. Possible ici pour vous les Sagittaires, si c'est une question sentimentale, il y a une rencontre dans 2 semaines. Qu'est-ce que j'avais dit? 3 semaines. 3 semaines les Sagittaires. Un départ, une romance. Ça peut être totalement différent par rapport à votre question, mais ça peut aussi être une situation qui arrive. C'est de la divination ici, pure, hein. Ensuite, les Sagittaires, donc, belle rencontre, super. Les Verseaux, on va voir pour vous. Alors, on n'a plus beaucoup de cartes. Verseaux, donc, combien de temps va se réaliser la situation que les Verseaux se posent comme question? Donc, combien de temps va se réaliser la situation? Quand va se faire la situation que les Verseaux se posent? Je prends celle-ci. 9 jours, 9 semaines. Donc déjà un peu plus long. À nouveau, une semaine un peu plus qu'une semaine. Ou 9 semaines, ça fait de 2 mois un peu plus. Voilà, ça dépend de votre question. On va avoir un complément d'information. Ces compléments d'information peuvent être en rapport à votre question ou pas du tout. Hein. Les Verseaux, quand... allez-vous avoir la réponse à votre question? Quand les Verseaux auront la réponse à leur question? Quand les Verseaux auront la réponse à leur question? Je vais demander un message supplémentaire. À quand est-ce que les Verseaux... la situation va se passer. On nous dit qu'il y a quelque chose en rapport avec ce qui s'est passé il y a une année. Il y a peut-être une situation qui revient sur le devant de la table, sur le dessus de la table, sur le devant de la table, qui a eu déjà il y a une année en arrière. C'est de voir sur la carte si on nous parle de quelque chose. On voit des gens autour d'une table, peut-être une réunion familiale, ou quelque chose en rapport à la famille, ou une naissance, mariage, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Une année, il y a quelque chose qui s'est passé il y a une année, qui pourrait revenir pour vous dans 2 mois. Ça peut être une information que l'on vous donne ou c'est des infos complètement à part. Les Verseaux, par rapport à la question qu'ils se posent. Quand c'est que ça va se réaliser? Quand c'est que la question, qu'ils se posent va se réaliser? Pour les Verseaux, quand c'est que la situation qu'ils se posent va se réaliser? Une information supplémentaire. Le diable. Alors, ici, on peut nous parler qu'il y a une relation où vous êtes peut-être très attaché à cette personne. Il y aurait un retour. J'ai vu comme la famille, la notion de famille. Un retour avec une ex, une maman ou un ex. Il y a une notion de retour important, d'attachement à quelqu'un. Ou on peut aussi, comment dire, on vous a lâché la bride quelque temps et là on peut retrouver une sorte de manipulation. Et je l'ai vu souvent autour de vous, les Verseaux, de quelqu'un qui vous tient ou que vous avez de la peine à lâcher par gentillesse, mais qui pourrait vous manipuler. Attention, mais ça, voilà,
c'est pas forcément ce qui va se passer. Pour le moment, vous avez une question, est-ce que je vais réussir mon permis? Non. Dans combien de temps je vais rencontrer ma douce? On nous dit dans 9 semaines. Et le complément d'information, ça peut être justement votre une ex qui que vous connaissiez d'il y a un an en arrière. On va terminer avec les cancers. On y va. On n'a plus beaucoup de notions de temps. Donc, quand la situation, la question que vous posez va se réaliser, pour les cancers, on a la dernière carte qui est la carte 7. Donc, on nous dit 7 jours, donc une semaine ou 7 semaines. 7 jours, donc vraiment une semaine pile. Il faudra que vous soyez déterminés, on nous dit. Il faudra être déterminé, les cancers. Quelque chose dans une semaine. 7 semaines, 7 jours, une semaine ou 7 semaines. Ça fait presque 2 mois, un peu moins de 2 mois. Vous voyez si ça vous parle par rapport à votre question. On va rajouter un message angélique qui peut être totalement en rapport à votre question ou pas du tout, hein. Donc pour les cancers, ouais. Cancer, par rapport à quand va se réaliser la question qu'il se pose. Quand va se réaliser la question qu'il se pose. À quel moment va se réaliser la question que se posent les cancers. Un complément d'information. Il y a quelque chose de mieux pour toi. Alors, peut-être vous aviez quelque chose à attendre dans à peu près 2 mois. Vous allez commencer quelque chose, mais on nous dit pourtant, il y a quelque chose de mieux pour toi. Ça peut parler ou pas du tout, hein, en rapport à votre question. Ça peut vous donner une indication. C'est de la divination ici. On va regarder une carte du tarot. Donc, pour les cancers, quand est-ce que la situation va se régler pour les cancers? Quand la situation va se faire par rapport à la question qui se pose, les cancers? Quand la situation va se faire par rapport à la question que se posent les cancers? Une information supplémentaire. Un choix. Effectivement, on nous dit qu'il y aura un choix à faire. Il y a quelque chose de mieux pour vous, qui peut être amoureux. Un choix amoureux pour les cancers. N'hésitez pas à aller voir votre tirage du mois de mars, qui peut en parler déjà. Un choix amoureux, un choix en général, parce qu'il y a vraiment, on vous confirme quelque chose de mieux pour vous. Donc, ça peut parler et répondre à votre question, mes chers amis cancers. J'espère que ce tirage vous aidera, vous intéressera. Répond concrètement à une question. J'espère vous parlera aussi de manière juste. Et puis j'attends vos petits messages en retour. À tout bientôt. Merci. Au revoir.